C'est un artiste. Moi-même, dans la jeunesse, moi tout, j'étais un artiste. Et un sentiment de respect. Respect pour ça qu'il a fait, pour ça qu'il a combiné, ça qu'il a incarné. Et dans le pays d'Haïti, avec tout ça qui est comme préjugé, les gens sont d'accord pour jouer un rôle. Femme, mamie pour là, ça te veut dire un gros bagaille. Elle incarne un personnage qui est Tom Malais. Son façon pour te dire, pas un bonheur sans malais. Alors, son monde qui te divise tête en toi, le personnage Éric Laguerre qui mettait au service de société à travers un personnage qui crée les Tom Malais et à travers un autre personnage qui crée les Mami Pouella. Et tout ça, tu as fait dans la radio, dans le matin Caraïbe, ça le fait le dimanche après-midi. Ou est-ce son monde qui t'a servi société à dans rien dedans? Parce que c'est comme ça pour le monde comprendre. Tout artiste, à travers le travail, il y a un message là-bas. C'est avec un sentiment de reconnaissance. Pour moi, c'est un symbole de la société noire. Il partage des valeurs. Et une valeur, c'est l'expression, le message. Il est arrivé sur nous tous. Mamie pour là, ou jambé sans Paris, sans sirène, sans trompette, ou faire voile pour pays sans chapeau. Moucher la mort, faire dodo, sans même un dernier mot pour faire nous mourir à rigolade et puis suspendre toute l'eau langée. Celle-là nous connaît, même si les rigolades la fini sous terre, pour mes éclairs rires avec belle sourire pas fini en bas ciel blé Haïti Thomas. Souvenir à héritage jour, à continuer nourrir l'espoir qu'est content par Borisite. Et puis, qu'il y ait mes veilles rêves,
pour un petit peuple qui remet belle lamarelle ak mouyo et qui toujours était maconné à coup comme audience en bafetaille kay la kay toute la journée pour satisfait nous faire nourrir jusqu'à ce que nous fait pipi. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, mesdames, messieurs, nous devons reconnaître que la vie courte et belle d'Éric, nonobstant sa fragilité et sa contingence, ne fut qu'un grand concert de rire. La joie du rire non seulement ponctuait son existence, mais en dictait les attitudes les plus profondes, tout en marquant de ses empreintes, ses relations, ses décisions et ses options. Tom Mallet était l'homme du rire. Le rire était son regard sur le monde. Et comme dit Dante Alighieri dans sa Divine Comédie, ceux qui ont reçu le bienheureux don du rire ne peuvent pas ne pas aller un jour au lieu du grand rire éternel pour arroser et inonder le fleuve du rire et faire rire follement tous les rachetés. Tom Mallet, te qu'on dit, si dans le ciel va guérir, est-ce que j'ai besoin là? Je dis à Frère Maxemio, c'est vrai, c'est un jour qui est triste pour nous, mais Tom Mallet pas voulu nous célébrer la mort, la tristesse. Il voulait que l'amour a tourné une belle fête de riz, de quel content, pour nous connaître que l'on finit sous terre, bon riz, bon bagaille, à continuer en l'autre façon. Sans le riz, il n'y a pas de paradis. Sans le riz, il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie nouvelle et éternelle. Sans le riz, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de quiétude et de plénitude. L'homme du rire, la femme du rire, eh bien, c'est quelqu'un qui nous inspire. Et cet homme exceptionnel, Éric Laguerre, nous rappelle que l'homme n'est pas seulement un homo faber, un homo sapiens, un homo economicus, un homo politicus ou ethicus. L'homme est aussi et surtout un homo ludens, un homme capable de jouer, un homme capable de s'amuser, de se divertir, un homme du jeu, un homme de loisir, un homme du rire. Il ne doit pas être un jouisseur. Mais il doit être aussi et surtout un homme qui manifeste sa joie de vivre. Tom Mallet, c'est ton aigle qui te remet la vie. Un homme qui aime la vie, un bon vivant. L'homme peut rire et sourire quand il est vraiment un homme. Qui comprend le sens du jeu thérapeutique dans la vie. Le jeu du rire est un phénomène total. Une attitude mentale de catharsis intérieure. Une purification de l'esprit. L'être humain qui rigole est fondamentalement un être jouant et se situe toujours entre le sérieux et le non-sérieux. L'homo ludens contemple la vanité des choses et définit sa vie non pas comme un jeu, dit Huizinga, mais par l'engagement du sujet dans une action libre, fictive et mystique. L'homme jouant, l'homo ludens, a une autre vision des choses qui transcende l'ordre normal et il préfère descendre dans les profondeurs de l'intériorité pour atteindre l'ordre des choses élevées, gratuites et désintéressées. Il ne recherche pas un intérêt matériel et utilitaire immédiat. Le loisir sain est un symbole régulateur de sens qui transforme la mentalité en donnant à penser et en permettant de résister. Le loisir qui provoque le rire apparaît comme un moteur de régénération et une force libératrice de développement humain. Un homme qui ne sait pas rire ni n'accepte de jouer n'est qu'un homme paumé, non épanoui, non équilibré. Il est à moitié raté. Ce n'est pas un homme pleinement réalisé. Le rire est un don et une grâce, disait le pape François. Un homme qui rit et qui est capable de jouer est un homme sérieux, rappelait le théologien Karl Rahner dans Homo Ludens. Tant coup, nous ouais ça. Jean Castradino, en font rire. L'on rit, figure au casse code. Ou rit, tout rit dans le corps. Ou rit, tout soleil, toute la ligne. Toute la rit, brassée ensemble. Ou passe yon dans le risible, passe yon dans le cribe. Fin, juste dans l'ombrite. Tout chimée atterri dans le plamé. L'on rit, c'est courir vent, après courir pour le vin rit avec. L'on rit, c'est un coup soleil qui pose la même au million 20 morceaux anglais, mourir les mains. Chaque courir, tout le monde. Mourir à cri dans bras pour rire avec éclat de rire. Poète Georges Castra. Heureux ceux qui rient. Soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous, disait l'évangile de ce matin. Le rire d'Éric était le dévoilement d'une vérité pour tout le peuple d'Haïti. C'était une force de résurrection pour le futur. L'évangile du rire ou la bonne nouvelle du rire était une puissance pour lui, comme disait Frédéric Nietzsche.
Si les chrétiens ne savent pas rire, ils ne peuvent pas être compris aux yeux de ce monde. Si vous suivez quelqu'un qui est ressuscité, qui est debout, vous-même chrétien, vous ne pouvez pas être triste. Un triste saint est un saint triste. C'était quelque chose qui soulevait l'espoir, le rire de frère Eric Tom Mallet. Il ne s'agit pas de rire forcé, bouffon, vulgaire, frivole et sarcastique, drôlement inventé pour distraire ou pour faire de la manipulation sociale ou pour pousser des jeux de pouvoir et d'influence. Représenté comme papa le mon fils aîné qui faut de la sœur à marier. Ma fille Winnie la sœur, eh bien, ton malheur, je vois le papa tout le temps pour moi. Donc, je dis à la, son payback time. Et moi, je crois que ton malheur, allez, la fait route pour moi. Parce que ton malheur pas qu'à un côté. Voilà, il est toujours avec, in good and bad times. Il est toujours collé tout le barrage, mais il est toujours avec. Et. Fom. Et. Tom, ou devant? Derrière. Parce que si Tom est au côté. La petite déplacement pour moi. Il va oublier.